La ferme a été achetée originalement par mon grand-père maternel. C'est mon oncle qui a pris la relève avec sa mère. Et j'ai travaillé ici comme étudiant plusieurs années et j'ai pris la relève de mon oncle en 86. Toujours en essayant de garder la même philosophie de, un peu que mon oncle avait implanté. Mon fils est arrivé aussi en 2013. Moi, je m'occupe plus des vaches, mon fils s'occupe plus des champs. Ça s'est comme fait naturellement. C'est nos goûts personnels, je pense. On a un employé la fin de semaine qui vient nous aider pour les traites, là, le samedi et le dimanche. Ça nous permet, soit moi ou mon fils, de s'absenter pour la fin de semaine. L'été aussi, le même employé travaille pour nous 30 heures par semaine. Si on veut avoir un minimum de qualité de vie, je pense que c'est important que la fin de semaine, on puisse décrocher un peu. Là. Les valeurs de notre entreprise, c'était de développer un produit de qualité pour les consommateurs, tout en accordant une grande importance à la santé des vaches, au confort des vaches. On a toujours fait du pâturage. Pour nous, ça faisait partie de la façon de procéder. À un moment donné, on a fait un virage vers les critères de santé, de reproduction, pour être capable d'avoir un troupeau qui performe bien, sans artifice, sans antibiotiques, sans hormones. Bien, le bio, ça faisait longtemps qu'on y pensait, moi et mon épouse. C'est en 2007 qu'on a commencé à faire la transition avec Écosserre. Avant ça, on faisait beaucoup de champs, un petit peu, soit sans herbicides ou avec doses très réduites d'herbicides. Fait que c'est pour ça que quand mon agronome en agro-environnement me dit, ben, t'es pas loin du bio, tu devrais transformer en bio puis au moins avoir la prime des grains puis tout ça. Les qualités pour être performant, je pense que la première, c'est de bien s'entourer de conseillers dans tous les domaines, autant au niveau financier que dans les champs ou la nutrition des vaches ou la santé des vaches avec le vétérinaire. À la fin, ça prend un troupeau qui est en santé, qui est capable de produire sans avoir de frais vétérinaires excessifs. Les sources d'information qu'on utilise beaucoup, bien, il y a les revues traditionnelles. Surtout nos conseillers, Lactanet, vétérinaire. Puis les réunions de producteurs. On aime beaucoup échanger avec d'autres producteurs de qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce que moi j'ai fait, puis voir si ça peut s'adapter à notre entreprise. L'échange entre producteurs, je trouve ça bien important. Je pense aussi que un intervenant, c'est d'être conscient qu'il y a plusieurs intervenants sur une ferme qui doit entrer en communication ou à travers le producteur voir c'est quoi l'orientation des autres intervenants. Puis en tout cas, de travailler les intervenants pour une même ferme, tous dans la même direction. Où est-ce qu'on se voit dans 5 à 10 ans? Moi, dans 5 ans, je me vois à ma retraite. On est en réflexion à cause de la norme en 2030 qui est d'avoir un troupeau en stabilisation libre. Surtout mon fils est en réflexion de bâtir une nouvelle installation. C'est un projet qu'il étudie avec son conseiller en gestion. C'est une grosse décision pour lui. Ça demande beaucoup d'investissement puis probablement pas beaucoup plus de revenus. Ce qui me rend le plus fier dans mon entreprise, c'est d'être capable de continuer avec la relève. Je pense que c'est ça qui est ma fierté d'avoir mon fils et travailler ensemble. Je pense que c'est ça qui est ma plus grande réussite.